Je vous explique les règles de Seven Wonders Duel, le jeu d'Asmodée d'Antoine Boza et Bruno Catala, illustré par Miguel Coimbra, exclusivement pour deux joueurs, dans lequel vous tenterez d'amener votre cité jusqu'à la victoire. Dans un premier temps, sélectionnez chacun 4 merveilles de la manière suivante. Mélangez les 12 cartes et disposez-en 4 faces visibles. Le premier joueur choisit une carte, le deuxième joueur choisit deux cartes et le joueur numéro 1 récupère celle qui reste. Répétez le processus une seconde fois pour que chaque adversaire ait 4 cartes merveilles en sa possession. Lors de votre première partie, il est suggéré qu'un joueur prenne ses merveilles et que son adversaire prenne celle-ci. Placez le plateau entre les deux joueurs, mettez le pion conflit au milieu. Mélangez les jetons progrès et placez-en 5 faces visibles sur le plateau. Placez les jetons militaires sur la piste. Chaque joueur reçoit 7 pièces. Le jeu va se dérouler en 3 manches, appelées âges, et possède chacune leur propre carte. Mélangez chaque tas séparément et écartez du jeu 3 cartes par paquet. Prenez 3 cartes guildes au hasard et ajoutez-les à l'âge 3 en prenant soin de bien mélanger. Structurez les cartes de l'âge 1 selon le schéma en alternant les cartes visibles et celles face cachées. À son tour, un joueur choisit une carte accessible de la structure. Elle ne doit pas être, même partiellement, cachée par une autre carte. Il est ensuite possible de construire le bâtiment, en payant son coût le cas échéant, en argent ou en ressources, de défausser la carte pour obtenir des pièces ou de construire une merveille. Le coût d'un bâtiment se compte en pièces ou en ressources. Le coût en pièces s'acquitte auprès de la banque. Le coût en ressources se paye soit avec ses propres ressources, produites par les bâtiments de couleur marron, gris ou jaune et parfois par les merveilles, soit auprès de la banque si vous ne possédez pas la ressource en question dans votre cité en payant 2 pièces plus 1 pièce par ressource identique produite par l'adversaire. Certaines cartes peuvent se construire gratuitement par chaînage d'un âge à l'autre. Regardez bien les symboles. Lorsque le joueur choisit de défausser une carte, il obtient de la banque 2 pièces plus 1 pièce par carte jaune en sa possession. Pour construire une merveille, le joueur doit s'acquitter du prix de sa merveille et placer le bâtiment nouvellement choisi sous la carte de la merveille. Lorsqu'un joueur construit la 7e merveille de la partie, son adversaire défausse sa dernière merveille non construite. Il ne peut y avoir que 7 merveilles et pas une de plus. Chaque symbole bouclier sur une carte militaire vous permet de déplacer le pion conflit vers la capitale de votre adversaire. Si vous entrez pour la première fois dans une zone, votre adversaire perd le nombre de pièces indiquées sur le jeton de la piste. Lors d'une fin de partie civile, n'oubliez pas de compter les points de victoire de cette même piste. Lorsqu'une carte est accessible, elle est retournée face visible. On continue ensuite à sélectionner des bâtiments chacun son tour. À chaque fois qu'un joueur rassemble une paire de symboles scientifiques identiques, il récupère immédiatement un jeton scientifique qui lui donne un avantage particulier. Il résout son effet immédiatement si nécessaire. Il est possible de gagner Seven Wonders Duel de 3 manières différentes. La victoire militaire est immédiatement acquise dès qu'un joueur entre dans la case capitale de son adversaire. La victoire scientifique l'est lorsqu'un joueur réunit 6 symboles scientifiques différents. Et la victoire civile se produit lorsque toutes les cartes de l'âge 3 ont été jouées. On compte alors les points de chaque bâtiment. Lorsque toutes les cartes de l'âge 1 sont épuisées, disposez celles de l'âge 2 de la manière suivante. Le joueur mené militairement choisit qui des deux adversaires commence le nouvel âge. Procédez de même pour l'âge 3 en les agençant comme ceci.
Le joueur mené militairement choisit qui des deux adversaires commence le nouvel âge. Bonne partie !